Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce vol VAT France du mardi, vol du mois, c'est-à-dire que tous les mois on propose un vol, et ben c'est aujourd'hui, tous les mardis on propose des vols, c'est l'habitude, voilà. Alors, donc on est au départ de Rodez, l'audio a l'air d'être bien réglé sur toutes les fréquences, c'est parfait. Alors, on est assez nombreux ce soir. Donc on va simplement retourner à Toulouse. Et je vais pas faire la même bêtise que samedi, je me mets dans le cockpit, on récupère la caméra et on lance la machine. Voilà, on a les freins. Et qu'est-ce que je fais là? Ça, la bombe, l'icône, voilà, quelques injections. Ok, on tourne la clé, ça sera mieux. Ok, il a roulé, il est parti, la pression elle monte, c'est déjà dans le vert ici, la température elle va grimper, on est bon. Au niveau du pétrole, 18 gallons à gauche et à droite, on s'installe à 1200 tours, on n'en bouge plus. Alors, petit briefing rapide, départ de Rodez, LFCR, bon là c'est pas indiqué mais je vais passer par ici, donc je vais passer par l'est, enfin le nord de Rodez, faire comme ça, venir ici, et partir par là, donc là il y a Mio et le viaduc qui est ici. Saint-Afrique, Castres et Toulouse. Donc, voilà le plan de vol. Je garde ça ici pour avoir les routes. Et ça, pour rester sur une carte, on va dire OACI, qui à l'échelle de 10 km, ça me donne un visuel à peu près réaliste. Pas trop de détails, encore qu'il en manque un petit peu. Alors, Rodez, eh ben, on est par ici, on va voir. D'où on part, on va écouter la TIS et ensuite aller au point EcoAlpha pour ensuite faire un contournement vers le sud. Alors, je fais comme d'habitude, je prends les cartes à toutes fins utiles. Je ne sais pas où je vais me poser exactement, si à Mio, c'est sûr. Peut-être pas, j'en sais rien. Castres. Toulouse-Blagnac, voilà. On met à 180%, ça donne quelque chose de sympa comme ça qu'on peut mettre. Alors au niveau de la météo, ce soir manifestement il n'y a pas beaucoup de vent partout. Rodez est ici, Carcassonne est là, donc Toulouse est là. Si on se met à 3000 pieds, il n'y en a pas beaucoup plus, c'est à 5000, c'est pas foudroyant non plus. Un peu du nord. Bon, alors donc c'est du 280, donc c'est bien la piste 31 qui est en service. Si on s'en tient aux cartes TEMSI, bon, celle-là j'ai mis le regard en dernier. 21h, 18h, voilà, on voit qu'on a des pas beaucoup de vent. Ça se confirme, ouais, ça se confirme, des vents de secteur nord par ici. Est très faible par ailleurs. Bon, une fois encore, ce que dit Windy, ça correspond à ce qui est prévu. Ce qui est une bonne chose. Ok, celui-là on le ferme. Alors, la météo globale, on est quelque part ici, donc on s'intéresse à cette zone-là. V8 localement, V5 au niveau des montagnes. Je sais pas si on sera dans les montagnes pour eux, mais voilà, on peut s'y attendre. Alors, par là, il y a des. Ah oui, effectivement. Par là c'est pas terrible, donc ils sont isolés sur les montagnes, des CB,
A priori, pour tout le reste, ça a l'air d'aller. Ah si, voilà. Ah si, quand même. Bon, on peut s'attendre à avoir des nuages quand même. Bon, et la zone C, c'est tout à l'ouest. Bon, voilà, en gros, ça a l'air d'être assez correct. Ça a l'air, j'y vais bien. Pourquoi ? Bon, ok, on verra bien. Tiens, je la garde sous le coup. Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Bon, on va s'arrêter là ce soir pour le briefing. Voilà, ça c'est bien. Ça aussi, je vais le garder. Donc, on est au départ de Rodez. Donc, la 31 est en service. Ici, décollage. Et je vais faire comme d'habitude, je vais leur demander une verticale pour une prise de route 200 ou 90, bien entendu. Very cool. Et ensuite, compte. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Ce soir, le briefing a duré combien? 6 minutes. Et tout le monde est déjà dans la nature. Yo. Ouais. Tout le monde est déjà dans la nature, ils sont même carrément en vol. Là. C'est un truc de fou. Ah non. Ah bon, je me disais aussi. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait un IFR ici, là. Oh là, faut pas le rater celui-là. C'est pas souvent qu'il y a des IFR. Je peux les voir en tout cas. On va en profiter pour regarder la fréquence. Ce soir, il n'y a pas de tour. LFCR approche 125-375. Finissons le Roméo pour essai radio. Ah ben voilà. 5-5 monsieur. 5, Fox Bravo Echo, contactez Rodez Tour 118-120. Je contacte Rodez Tour sur 118-120. Finissons le Roméo pour essai radio. Fox India Charlie, contactez la tour 118-120. Je contacte la tour sur 118-120, Fox India Charlie. Fox Mike India, contactez la tour, 118-120. Avec la tour sur 118-120, Fox Mike India. C'est exceptionnel là comme introduction. Fox Alpha Charlie Alpha, contactez la tour, 118-120. Voilà. Fox Alpha Lima Charlie Alpha. Alors là, comment ça va se passer par contre là? Qu'est-ce qu'on va faire là? Il n'y a qu'un seul taxi, ouais. Hein. Ah ouais, je suis curieux de voir ça, tiens. Il est où? Donc il est urgent de ne pas bouger. Scandinavia Airlines 202, backtrack runway 31. Backtrack runway 31, Scandinavian 202. Fox Bravo Juliette, on arrive au point Sierra Alpha. Ça c'est marqué. Hein. Scandinavia 202, contact de Tower 118.120. Rodez Tour de Fox Alpha. Goodbye. Fox Alpha Romeo Mike India. Rodez Tour, bonsoir. Ah, bah si, la tour est. Donc là, je suis en attente derrière India Charlie. De Fox Mike India. Fox Mike India. Rodez Tour, bonsoir. Vous êtes numéro 3 au départ, je vous rappelle. Vous me rappelez, Fox Mike India. Scandinavian 202, good evening. Scandinavian 202, Rodez Tower, good evening. Welcome to Rodez, vacate on the next left. Vacate next left, Scandinavian 202. Alors là, je vois pas où c'est qui va tomber. Par ici, là.
Rodez, uniforme Romeo, bonjour. Fox Golf, Bravo, uniforme Romeo, Rodez Tour, bonsoir. Bravo Echo, vent 260 degrés 3 nœuds, piste 31, autorisé décollage. Rappelez Sierra Alpha. Autorisé décollage, piste 31, Fox Bravo Echo. Je rappelle Sierra Alpha. Bon, ben pourquoi pas. Fox Uniforme Romeo, Rodestour, bonsoir, je vous reçois 5. Rodestour de Fox, Bravo Mike, bonjour. Fox, Bravo Mike, Rodestour, bonsoir. Fox Golf Alpha, Bravo Mike, un PA 28, deux personnes à bord au parking Aéroclub. Pour un vol à destination de Toulouse, demande consigne roulage avec une sortie Echo Alpha. Fox India Charlie, alignez vos pistes 31 et attendez. Je m'aligne piste 31 et j'attends, Fox India Charlie. Fox Bravo Mike, transpondeur 7002, prévoyez sortie Sierra Alpha. 7002, transpondeur, je prévois Sierra Alpha, Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike, correct, rappelez pour le roulage. Je rappelle pour le roulage, Bravo Mike. Fox India Charlie, vent 260 degrés 3 nœuds, piste 31, autorisé décollage, information trafic, un PA 28 en montée initiale, piste 31. Autorisé décollage, un PA 28 au décollage, Fox India Charlie. Mike India, alignez-vous piste 31 et attendez. Je m'aligne, j'attends, Fox Mike India. Fox India Charlie, procédez Sierra Alpha, rappelez Sierra Alpha 3500 pieds. On rappelle Sierra Alpha 3300 pieds, Fox India Charlie. Fox Mike India, vent 260 degrés 3 nœuds, piste 31, autorisé décollage, rappelez milieu devant arrière, piste 31. Je le rappelle milieu devant arrière, autorisé décollage, piste 31, Fox Mike India. Fox India Charlie, information trafic, un PA 28 dans vos 12h, 3500 pieds, rappelez en vue. Visuel sur le PA 28, Fox India Charlie. Fox India Charlie, maintenez séparation visuelle. Je maintiens séparation visuelle, Fox India Charlie. Très bien, bah, pré-décollage. Fox, Bravo Echo, vertical du point Sierra Alpha, 3500 pieds. Fox, Bravo Echo, procédez Sierra. Nous procédons sur Sierra, Fox, Bravo Echo.
Rhodes Tour, le Fox Bravo Mike, pré-roulage. Fox Bravo Mike, roulez point d'attente, piste 31. Je roule point d'attente 31, Fox Bravo Mike. Fox Bravo Echo, contactez Rhodes Approche, 125.370, pas de s'arrêt. Nous contactons Rhodes Approche sur 125.37. Fox Bravo Echo, bonne soirée à vous, monsieur. Fox McIndia en milieu de vent arrière pour une prise de cap vers Sierra Alpha. Fox McIndia, procédez Sierra Alpha, rappelez Sierra Alpha 3500 pieds. Je procède Sierra Alpha, je rappelle Sierra Alpha 3500 pieds, Fox McIndia. Un cran de la pompe. Rhodes de Uniforme Romeo, bonjour. Fox Golf Bravo, Uniforme Romeo, Rhodes Tour, bonsoir. Rhodes de Uniforme Romeo, bonjour. Bonsoir monsieur, Rhodes Tour, je vous reçois 5. Fox McIndia, vous me recevez comment? Je vous reçois 5, Fox McIndia. Merci. Rhodes Tour, bravo Mike, point d'attente 31, je suis prêt. Fox Bravo Mike, vent 260 degrés, 3 nœuds, piste 31, autorisé décollage, rappelez milieu devant derrière. Rhodes Tour de Uniforme Romeo, bonjour. Donc Fox Bravo Mike, autorisé décollage, piste 31, je rappelle, mi-vent arrière. Je vois un message, mais non, vous ne me recevez pas, semble-t-il, alors que je ne vous reçois pas, pardon. Effectivement. Fox India Charlie, contactez Rhodes Approche 125.370. Au revoir. Je contacte Rhodes Approche sur 125.370. Merci pour les services. À bientôt. Fox McIndia, Sierra Alpha 3500 pieds. Fox McIndia, procédez Sierra. Je procède Sierra, Fox McIndia. Je viens de faire un changement de micro, de casque. Ok, je vous reçois toujours 5. Uniforme Romeo, et vous? Et 36. Ça marchait bien avec TeamSpeak, maintenant ça marche plus avec V-Pilote. Fox McIndia, contactez Rhodes Approche 125.370, pas de s'arrêt. Avec Rhodes Approche 125.370, merci pour le contrôle de Fox McIndia. Uniforme Romeo, je viens d'entendre la tour, je présume de Rhodes. Affirmatif, Uniforme Romeo, Rhodes Tour, bonsoir. Tour de Rhodes, bonsoir de Fox Golf, bravo Uniforme Romeo. C'est Sna 170 au parking de Rhodes pour un premier vol BATSIM sur la destination de Toulouse. Une personne à bord avec une sortie Sierra, Uniforme Romeo. Fox Golf, bravo, Uniforme Romeo, bienvenue sur BATSIM, transpondeur 7003, prévoyez sortie Sierra Alpha. Uniforme Romeo, je transponde 70-03 et je sors par Sierra Alpha. Uniforme Romeo. Fox Uniforme Romeo, correct. Dès que prêt, roulez point d'attente, piste 31. Uniforme Romeo, dès que prêt, je roule point d'attente, piste 31. Uniforme Romeo. J'ai carrément dérivé là.
Uniforme Romeo, prêt pour rouler au point d'attente piste 31. Foxe Uniforme Romeo, rouler point d'attente piste 31. Uniforme Romeo, je roule pour le point d'attente piste 31. Rodestour, bravo Mike, mi-vent arrière. Fox Bravo Mike, procédé Sierra Alpha, rappelé Sierra Alpha, 3500 pieds. Je me dirige 3500 pieds sur Sierra Alpha, je rappelle Sierra Alpha, bravo Mike, Fox Bravo Mike. Uniforme Romeo, prêt au point d'attente 31. Fox, uniforme Romeo, vent 230 degrés 3 nœuds, piste 31, autorisé décollage. Uniforme Romeo, autorisé décollage, piste 31. Voilà, 2150 tours, on tient la route, l'assiette, vitesse atteinte, non, pas tout à fait, on trim un peu, alors Sierra Alpha est plutôt à droite là, donc là je le découvre avec la carte cette fois, mais de la map sur l'autre ordinateur. Autant apprendre, savoir à quoi ça ressemble. Rodestour, Fox Bravo Mike, 3500 pieds, vertical Sierra Alpha. Fox Bravo Mike, procédé Sierra. Procédé Sierra, Fox Bravo Mike. Donc c'est à du 180. En restant 3500 pieds, c'est encore mieux. Fox Golf Delta Kilo Lima, Rodestour, bonsoir. Fox Golf Delta Kilo Lima, vérifiez votre micro, ça sature un petit peu et il me faudrait un plan de vol aussi s'il vous plaît. Fox Bravo Mike, contactez Rodez Approche 125 décimal 370. Au revoir. 125 60 370 pour Rodez Approche. Au revoir, merci. Rodez Approche de Fox Bravo Mike, bonjour. Fox Bravo Mike, bonsoir monsieur, je vous écoute. Rodez Approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike, donc libéré par la tour de Rodez pour un vol à destination de Toulouse, 3500 pieds, quasiment à une minute de Sierra pour une première route à destination de Millau. C'est reçu, poursuivez votre vol, vous désirez faire un toucher sur Fassagne? Négatif, je vais aller directement sur Millau.
Alors, vous serez numéro 6 sur Mio et vous prévoirez une approche directe piste 14. Ça sera la 14 en direct avec un numéro 6. Si tout va bien jusque-là, merci Fox, bravo Mike. Fox, bravo Echo. Je fais un détour par le lac de Parlou. Fox, bravo Echo. C'est reçu, poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, là ? Pas grand-chose à voir, a priori. Le terrain, il est dans les combien ? Ah, sur le si je fiche la carte au moment, mais il fait ça. Bon, alors. Réglé pour 2150, c'est pas un de plus, pas un de moins. Dans le vert au passage. Fox, bravo Mike. Dès que possible, vous mettrez votre transpondeur 70-0 unités. 70-0 unités pour le transpondeur, bravo Mike. Affiché, bravo Mike. C'est moi qui ai fait une erreur sur mon transpondeur, j'aurais dû être 70-0-0 Fox Fox India. Ah, négatif, 70-0 unités, c'est parfait. Ah bon? D'accord, excusez-moi. Alors, Rodez, on peut dire au revoir à Rodez. Cassagne, je la garde pour le principe. Où est-ce qu'on est là-dedans ? Ah, ça va être dur de répondre là. Je peux pas répondre. La connexion est juste médiocre, mais ça fonctionne. Alors, attends, avant qu'ils me mettent en vrac. Non, ça va. Donc j'en étais à 7 nautiques, Chassagne. Rodez approche du Bravo Mike pour monter 4500 pieds. Je suis à 1 minute 30 de la verticale de Chassagne. Bravo Mike, 4005 approuvé. 4005 approuvé, Fox Bravo Mike. Cet aérodrome, il doit être juste en dessous à tous les coups. Tiens, allez, une fois n'est pas coutume. Voilà. Alors, à Chassagne, normalement, je dois prendre une route au 112. À quoi ressemblent les reliefs ? C'est vrai qu'il y a des reliefs, mais il n'y a pas tant que ça.
aussi au loin là-bas. Il y a un lac à gauche. Et on passe à la verticale donc de Cassagne. Cassagne-Brigonnès. Fox Alpha Bravo, Juliette Vancan, piste 14, autorisé toucher. Rodrez approche de Fox Uniforme Romeo, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Uniforme Romeo, poursuivez votre vol, je vous rappelle. Uniforme Romeo, c'est bien pris. Les approches, Cyberavia 949, bonsoir monsieur. Cyberavia 949, bonjour monsieur, prévoyez guidage radar ILS piste 31. Guidage radar ILS 31, Cyberavia 949. 949, descendez niveau 8-0. On descend au 80, Cyberavia 949. Fox Bravo Juliette. Oui. Voilà. Alors, m'avez-vous reçu? Autorisé toucher, piste 14. Je n'avais pas reçu Fox Bravo Juliette et je n'ai pas le visuel du terrain. Ah! Ça, c'est gênant. Fox Bravo Uniforme Romeo, quelles sont vos intentions? Fox Uniforme Romeo, je vais sur Cassagne pour l'instant. Touché ou vertical terrain? Uniforme Romeo, ça sera pour un passage vertical. C'est reçu. Uniforme Romeo reçu, c'est reçu. Fox, bravo Juliette, le terrain est à vos 2 heures, juste sur votre côté gauche. J'ai pas encore le visuel, Fox, bravo Juliette. C'est calme là. Alors, il s'appelle comment ce lac? Là, il a un nom à dormir dedans. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, contactez Toulouse 129 décima 300. À bientôt, au revoir. Je contacte Toulouse 129 300. Merci pour le contrôle, au revoir. Fox Romeo Charlie. Fox Bravo Juliette, je fais une verticale terrain, je ne vois pas le terrain. C'est reçu, bravo Juliette. Fox India, Vancan, piste 14, autorisé toucher. Autorisé toucher, piste 14 pour Fox India. Fox India, attention trafic, un DR400 en vertical terrain. DR400 vertical terrain pour Fox India. Bien reçu. Allez, côté passager, voilà. Cyberavia 249, descendez altitude 4000 pieds, QNH 10-14. 4000 pieds, QNH 10-14, Cyberavia 249. Fox Bravo Juliette, vertical terrain, je me reporte en début de vent arrière et je suis pour l'instant à 3700 pieds. C'est reçu, poursuivez, bravo Juliette. Je poursuis. Du live, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'étais parti. Bravo,
Juliette, milieu devant, devant arrière pour la 14. Vous désirez continuer à faire une, un toucher? Oui, 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 je vais faire un toucher sur la 14, Foxtrot pour Juliette. On le voit de loin. Bravo Juliette, poursuivez votre vent arrière, c'est numéro 3. Je poursuis l'avant arrière, je serai numéro 3, Foxtrot pour Juliette. Fox, Fox India en finale milieu. Fox India, Fox India, vent calme, autorisé toucher, piste 14. Autorisé toucher, piste 14 pour Fox, Fox India. PA28, bravo Juliette sur votre gauche. Et le visuel Fox, bravo Juliette. Numéro 2 derrière le trafic, rappelez final. Numéro 2 derrière le trafic, je rappelle final, Fox, bravo Juliette. Cyberavia 949, autorisé ILS piste 31, rappelé établi. Autorisé ILS 31, on rappelle établi, Cyberavia 949. Fox Uniform Romeo, vertical Cassagne pour un départ, pour un vol. Fox Uniform Romeo, poursuit le vol sur Mio. Fox Uniform Romeo, je poursuis sur Mio. Merci, c'est mon premier vol. Oui, j'ai vu, vous inquiétez pas, ça va aller. Merci. Kilo Lima, bonjour monsieur, transpondeur 70, 0 unité. Bravo Juliette, autorisé toucher piste 14, vent calme. Autorisé toucher Fox, bravo Juliette. Fox Maquilla, numéro 3, poursuivez. Numéro 3, je poursuis Fox Maquilla. Je vous en fais. Montée initiale pour Fox, Fox India, nous poursuivons notre vol au cap 240. Alors par là, il y a l'aérodrome de Saint-Rome-du-Tarn. Curieux de voir ça, tiens. Bravo Juliette, montée initiale. Bravo Juliette, c'est reçu, poursuivez. On poursuit Fox, bravo Juliette, cap 240 aussi. Fox Mike India, vent calme, piste 14, autorisé toucher. Autorisé toucher 14, Fox Mike India. Cyberavia 149, vous désirez un guidage radar? Il me semble que c'est ce que vous m'aviez annoncé. Allez, Cyberavia, tournez à gauche, cap 160, 160. À gauche, 160, 160, Cyberavia 149. Fox India Charlie, en très longue finale sur Mio-Larzac. Fox India Charlie, numéro 2, poursuivez l'approche. Numéro 2, je poursuis l'approche, Fox India Charlie. Route des approches, bonsoir monsieur, Fox Mike Alpha Romeo. On est à 4100 pieds à 24 nautiques de vos installations. Alpha Romeo, bonsoir monsieur, prévoyez une entrée Sierra, Sierra Alpha. Entrée Sierra, Sierra Alpha, Fox Mike Alpha Romeo. Fox Mike India, montée initiale. Mike India, poursuivez. Je poursuis, Mike India. Fox Romeo India Charlie, vent calme, piste 14, autorisé touché. Autorisé touché, Fox India Charlie. Bon, ben ça doit être ça. Fox Bravo Echo, longue finale
de Millau. Fox Bravo Echo, numéro 2, poursuivez. Si numéro 2, je poursuis. Hein. Fox Bravo Echo. Ben on est vertical. Fox Mike Alpha Romeo, on a les installations en vue, ce serait pour débuter la descente. Un terrain. Ah, vous êtes en VFR, vous faites ce que vous voulez avec, avec l'altitude, Alpha Romeo. On s'est pris, donc on vous rappelle en vente arrière, main gauche, piste 31, Fox Mike Alpha Romeo. Et je rêve pas, hein. Négatif, vous poursuivez Sierra et vous me rappelez Sierra Alpha. On vous rappelle Sierra Alpha, Fox Mike Alpha Romeo. Okay. Siberia 949, tournez à gauche, 405, unité 05. À gauche 105, c'est vers la 249. Bon, ben, je découvre. Fox, bravo Echo, Vancan, piste 14, autorisé toucher. Non. Autorisé toucher, piste 14, Fox, bravo Echo. Fox, bravo Mike, numéro 2, rappelé final, piste 14. Numéro 2 pour une finale, piste 14, Fox Bravo Mike. Je grenouille du côté du pont pour le moment. Je vous rappellerai lorsque je reviendrai vers Mio. C'est reçu, Fox Bravo Uniforme Romeo. Poursuivez votre vol sur Mio, vous êtes numéro 3, rappelez finale. Fox, c'est pour Fox Uniforme Romeo ? Oui, c'est pour le premier vol. Négatif, je vais sur Millau, simplement faire un transit, et ensuite sur Saint-Afrique pour mon premier vol. Je ne touche pas. On ne touche pas, alors on poursuit. Merci, Fox Uniforme Romeo. Fox India Charlie, fin de montée initiale, on poursuit sur Belmont pour un toucher. C'est reçu, poursuivez Fox India Charlie. On poursuit notre vol, Fox India Charlie. Fox Bravo Echo en finale, piste 14. Bravo Echo, autorisé toucher, piste 14, en calme. Autorisé toucher, piste 14, Fox Bravo Echo. Siberia 949, tournez à droite, cap 230, 230. À droite 230, Siberia 949. Fox India, 5 minutes des installations de Belmont pour un toucher, s'il vous plaît. C'est reçu, poursuivez, prévoyez une arrivée piste 30. On prévoit une arrivée piste 30 pour Fox India sur Belmont. Fox Uniforme Romeo pour un détour sur le viaduc de Millau. C'est reçu, c'est approuvé, Fox Bravo Uniforme Romeo. Fox Uniforme Romeo, c'est approuvé, merci. Siberia 149, descendez à l'altitude 3000 pieds, toujours au QNH 10-14. 3000 pieds, QNH 10-14, Siberia 149. Ready, Vach, bonsoir, monsieur, run SM Delta X-ray. Ryanair 7 Delta X-ray, Loser Identified, descend flight level 80. Descend flight level 80, Ryanair 7 Delta X-ray. Ryanair Radar Vectoring, continue present heading. Radar Vectors present heading, Ryanair 7 Delta X-ray. Ryanair 7 Delta X-ray, expect ILS, runway 31. Expect ILS 31, Ryanair 7 Delta X-ray, thanks. Fox Mike Alpha Romeo, contactez la tour 118-120.
118-120, Fox Michael Farmer, on passe pour service, au revoir. Fox Bravo Juliette, on est à 5 minutes des installations de Sainte-Afrique. Ce sera pour une verticale terrain et un cap 229. C'est reçu, poursuivez. Sivera via 949, tournez à droite, cap 280. Autorisez à approcher l'est, piste 31. À droite 280 et on autorise sur le l'IS 31, Sivera via 949. Alors là, on évite de passer de l'autre côté de l'autoroute. Il y a une zone militaire juste à gauche. On va aller voir un petit peu la ville de Roquefort, c'est pas loin. Elle est tellement pas loin que je suis déjà dessus. On est sur le localizer Siberia 949. Siberia 949, contacté Rodez Tour 118-120. Merci Georges, à tout à l'heure. Avec la tour 118-120, Siberia 949. Pour info, on a l'avertisseur du terrain qui nous gueule dans les oreilles. Oh non, je pense qu'il y a un trafic à votre gauche. Négatif. On est à 3000 pieds et l'ILS est 4000 normalement. Là, on est trop bas. Aïe! Désolé. Des problèmes? Je remonte juste le train pour pas qu'il touche par terre. D'accord. Tiens. OGM, non. J'avais jamais vu ça. Bien. Fox Uniform Romeo, vertical viaduc de Mio. Je vire vers le terrain de Milo pour un passage vertical Milo, uniforme Roméo. Uniforme Roméo, c'est reçu, poursuivez. Uniforme Roméo, je poursuis. Ryanair Sun, Delta X-ray, descente altitude 4000 feet, QNH1014. Descend altitude 4000 feet, QNH1014, Ryanair Sun, Delta X-ray. Alors, je passe par ici pour une raison très simple. C'est que j'ai fait ce vol en ULM il y a quelques années, en 2016 de mémoire. Ah tiens, il y a 4 ans exactement, c'était au mois de juin 2016. Au départ de Mio-Larzac, justement. Voilà, ça c'est Roquefort. Ce sera pour info, Fox India en finale, piste 30 sur Belmont. Je souhaiterais utiliser la gazonnée, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Tout à fait possible, Fox India, autorisé, toucher gazonnée 30. Autorisé, toucher 30 gazonnés, Fox India. Je souhaiterais faire un toucher sur Sainte-Afrique Belmont de Fox Maquilla. C'est reçu, poursuivi numéro 2. Je poursuis numéro 2. Par contre, j'ai pas de visuel sur le terrain encore, Fox Maquilla. Reçu. Fox Bravo Juliette, on arrive vertical Sainte-Afrique et on prend le cap 229 direction Castres. C'est reçu, poursuivez.
1005, ça fait 3005 le tour de piste. Ça fait déjà un petit peu bas. Ryanair 7 Delta X retourne à RAL et heading 270. Right, heading 270, Ryanair 7 Delta X-ray. Vigile sur le terrain de Fox Mekia, je me reporte en vent arrière main droite, piste 30. Bien sûr. Ryanair Delta X-ray clear, ALS approche, runway 3-1, report established. Clear ALS runway 3-1, Wilco, Ryanair 7 Delta X-ray. Montée initiale pour Fox. Fox India, nous poursuivons vers Castres. Fox India, c'est reçu. Fox Mike India, vous désirez une approche directe sur la 30 droite? Négatif, je suis presque vertical, donc je vais faire une vente arrière main droite et puis après je me pose pour un toucher. Reçu. Donc je vais faire ça, cheminée de verticale. C'est de 14. Fox, bravo Juliette, contactez Toulouse approche, 129-300, à bientôt. Fox, bravo Juliette, je contacte Toulouse sur 129-300, merci pour le contrôle. J'ai raté ce que je voulais voir. À bientôt. Voilà, c'est le petit patelin qui est là. Fox India Charlie, visuel sur Saint-Afrique, ce sera pour un toucher. En intégration directe, piste 33. Fox India, Charlie, approche directe, piste 30 droite, autorisé toucher, vent calme. Autorisé toucher, Fox India, Charlie. Fox India, contactez Toulouse. Approche, 129 décimales 300, à bientôt. Coucou. On contacte Toulouse, approche sur 129 décimales 300. Fox India, à bientôt et merci. Fox Mac India, rappelez fin de vent arrière main droite. Je rappelle fin de vent arrière main droite, Fox Mac India. Fox India Charlie, remise des gaz et on va faire un tour de piste main droite pour un toucher piste 33, c'était trop rapide. C'est reçu Fox India Charlie, c'est numéro 2, le précédent, en début de vent arrière. Alors le terrain est quelque part numéro 2, le précédent est en début de vent arrière, Fox India Charlie. Ok, allez. 3500 pieds, je suis sur une étape. Approche de Fox Bravo Mike. Il vous écoute, Bravo Mike. Le Bravo Mike à 4000 pieds, visuel sur l'installation de Mio Larzac, vertical dans 1 minute 30 environ. C'est reçu, poursuivez un Cessna en fin de vent arrière main droite. Cessna fin de vent arrière main droite, reçu Fox Bravo Mike. Pas de visuel pour le moment. Fox Mike India, vent calme, piste 30, autorisé toucher. Autorisé toucher, piste 30, Fox Mike India. Alors, on re-regarde. Il a dit 14 tout à l'heure, donc je vais faire ça. Hop, hop, et hop là. Il faut que je vise la partie
3300, donc 3800, je suis bon. Je suis même déjà bien. Fox Uniforme Roméo, je vire vers Saint-Afrique. C'est reçu, poursuivez. Uniforme Roméo, je poursuis. Fox India Charlie, fin de vente arrière pour un toucher piste 30 Saint-Afrique. India Charlie numéro 2, le précédent en courte finale, piste 30. Numéro 2, Fox India Charlie. Vous avez le trafic en visuel, un DR400? J'ai le trafic en visuel, Fox India Charlie. C'est parfait, maintenez séparation. Rappelez finale, piste 30. Je maintiens séparation, je rappelle finale piste 30, Fox India Charlie. Run SM Delta X-ray established, ILS 318 miles. Run 7 Delta X-ray contact Rhodes Tower 118, decimal 120, bye bye. Tower 118, decimal 120, merci pour le service, run SM Delta X-ray. Thank you. Fox McKinney, montée initiale. C'est parfait, poursuivez. Fox India Charlie, finale, piste 30. Fox India Charlie, vent calme, piste 30, autorisé touché. Autorisé touché, Fox India Charlie. Rodez approche, Fox Bravo Mike, je viens de passer la verticale à 3800 pieds de Millau-Larzac. Je m'éloigne pour une intégration en vent arrière. Main droite pour un toucher sur la 14, pas d'appareil en visuel. C'est reçu, bravo Mike, rappelez final. Je rappelle final, Fox Bravo Mike. Donc 14, 24, ça fait 23. Et je cherche 3300. Fox India Charlie, montée initiale, je poursuis mon vol jusqu'à Blagnac. Reçu, poursuivez. Je poursuis, Fox India Charlie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce...
bravo Mike, vent calme, autorisé toucher, piste 14. Autorisé toucher 14, Fox, bravo Mike. Je vais être un petit peu loin sur le patelin. Je maintiens en palier. Fox, bravo Echo, contacté Toulouse Approche, 129-300, à bientôt. Contactons Toulouse Approche sur 129-300. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonsoir. Fox, bravo Echo. Ok. Trois crans de volée. La vitesse 80, on est dans l'axe dans quelques instants. Compenser sur le plan. La vitesse, le plan. Alpha Romeo Mike India a contacté Toulouse Approche 129-300, belle arrivée, à bientôt. Avec Toulouse Approche 129-300, merci pour le contrôle, Fox Mike India. Suivante, c'est du 240. Rodez approche, le Fox bravo Mike, je vire par la gauche pour une verticale terrain à 4000 pieds, une prise de route vers la destination suivante. C'est reçu, bravo Mike, poursuivez. Je poursuis, Fox bravo Mike. Uniforme Roméo, je peux avoir la piste en service sur South Afrique? La 30, monsieur. Uniforme Roméo, c'est bien pris. Vous pouvez faire une approche directe, piste 30, rappelez final. Uniforme Roméo, je fais une approche directe sur la 30 et je rapproche final, merci. Avec
avec Luc et mon oncle. Donc je les salue. Alors, il est 24 pour la verticale, on est dans le vert et je vais changer de réservoir. Puisque là, ça fait quand même 3 quarts d'heure. Pratiquement 50 minutes. Alors, 240, c'est 240 diables. Proxy de Charlie, environ 3 minutes des installations de Castres-Mazamet pour un toucher. Fox India Charlie, contactez l'approche de Toulouse 129-300, à bientôt. Je contacte Toulouse approche 129 décimal 300, merci pour le service, à bientôt Fox India Charlie. À bientôt. Ok, alors on est stable sur la route, vitesse, altitude, régime moteur, on met la route. 240, 2050 tours. Qu'il était 24, il y en a pour 21 nautiques. Ok. Uniforme Romeo final 30. Fox Uniforme Romeo Vancam piste 30 autorisé touché. Uniforme Romeo autorisé touché piste 30. Voilà, le moteur tourne toujours, il est toujours alimenté, c'est bien. Coupe la pompe et il est 25 on va dire pour le changement de réservoir. Donc plus tard à 10. Qu'est-ce que je capte comme Uniforme Romeo, montée initiale. Reçu, uniforme Romeo, poursuivez. Uniforme Romeo, je poursuis. D'accord, j'ai compris. C'est au Benasson qu'on va passer tranquillement. Au désapproche du Fox Bravo Mike, 4200 pieds pour monter 5000. Approuvé pour 5000, Bravo Mike. Approuvé 5000, Fox Bravo Mike. Fox Uniforme Romeo, je vous écoute. Uniforme Romeo pour virer vers Castres. C'est reçu, poursuivez. Uniforme Romeo, je poursuis sur Castres.
ça y est, là il est réglé. Eh bah dis donc. Allez, passager. Le terrain il est quelque part à droite là. Tango Zulu Papa, bonsoir monsieur, poursuivez. Je me demande si je le vois pas là, ouais. C'est reçu pour prévoir une arrivée piste 14. C'est reçu pour l'arrivée piste 14, on sera touché également du côté de Kassan. C'est reçu, alors sur K5 c'est la 09, une arrivée directe, piste 09. Bien reçu, piste 09 avec une arrivée directe, c'est pas ça. Ça ressemble à une piste, mais c'est pas une piste. Ah, ça y est, déjà sur le terrain. Alors ça, c'est ballot, parce que je fais un truc. Ça a une action en même temps sur les commandes de l'appareil. À savoir la puissance, la direction et tout ça. Bravo Uniforme Roméo, contactez Toulouse Approche, 129-300, à bientôt. Uniforme Roméo, je contacte Toulouse Approche sur 129-30. Merci pour le service et votre patience. À bientôt, avec plaisir. Merci, à bientôt, Uniforme Roméo. Fox Tango Zulu, Papa Van Calme, piste 09, autorisé touché. Zulu, Papa, reçu. Olé.
Je suis fatigué, moi. Alors, on montre un petit peu où on est et ce qu'on fait. Ah, il est déjà là. Allez, on va lâcher le terrain, on va prendre le vol. Approuvé, poursuivez sur Millau, prévoyez d'arriver piste 14. On poursuit sur Millau, on est en train de 56 avec une arrivée piste 14. C'est vert par ici. Bon, ben on est installé sur du 20, 15, 18 nautiques hein, pour peut-être une dizaine de presque 10 minutes avant d'arriver à Castres. Donc je vais toucher direction la destination. C'est sûr que si je vais par là, je peux y arriver.
qu'il y avait des petits reliefs là par ici. D'accord, c'est ça qui est devant à droite. Donc, découverte de la région. Personne sur le live. Bon, ce soir c'est très calme. Alors, les reliefs, qu'est-ce qu'on a vu là ? Rien de connu en tout cas. Ça va, t'es stable là, tu bouges pas trop, on va profiter que. Donc voilà ce qu'on a sous les yeux ici, là. Ce sont ces petits vallonnements. Castres derrière dans le creux là. Alors vent du 290. Sur ma droite, est-ce que je suis au 240 de nœuds. Voilà, un peu plus de ça. Coule une rivière qui Fox, bravo Mike, contacté Toulouse Approche, 129-300. 129-300 pour Toulouse Approche, Fox, bravo Mike. Au revoir, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fox Mike India. C'est noté, merci Fox Mike India. Si possible, essayez de vous mettre derrière dans les 6 heures du trafic, Fox Mike India. Je me mets dans les 6 heures du trafic, Fox Mike India. Hello everybody, effectivement, j'étais pas du tout, j'avais un problème sur le live. Eh ben, bonsoir Jean-Marc, café chocolat, salut. 300 pieds et vent arrière, en vent arrière peut-être bien, je me rappelle plus. Shugom, salut. Bon, ben je sais pas, j'ai eu un problème ce soir, Gabriel également est là. Ouais, ce soir le live était pas avec moi, il était pas content. J'ai vu que j'avais un message, mais au tout début, là, après je pensais que ça s'était réglé. Mais bon, effectivement, surprenant de voir personne. Ah, on est à 3 minutes de Castres, là. Bon, bah, merci Pascal pour ton message que j'ai pu voir sur Discord, heureusement. Swiss 57 Alpha, turn right, heading 290, descend 3000 feet, clear the ILS approach, runway 3 to left. Alors, peut-être que je contacte le right, heading 290, descend 3000 feet, and clear the ILS approach, 3 to left, Swiss 57 Alpha. Toulouse approche de Fox, bravo Mike, bonjour. Fox, bravo Mike, bonjour monsieur, je vous écoute. Fox Golf Alpha, bravo Mike, un PA 28 en provenance de Rodez à destination de Toulouse, 4800 pieds actuellement,
à 2 minutes de la verticale de Castres pour passer en fréquence avec vous. Fox, bravo Mike, vous rappellerez verticale Castres. Je rappelle verticale Castres, Fox, bravo Mike. Fox, Mike India, merci beaucoup pour l'évitement du trafic et le séquencement. Vous passez avec la tour de Toulouse-Lasbord, 122 décimales 7, au revoir. Pas de souci, et avec Toulouse-Lasbord de 122 décimales 7, Fox, Mike India. Salut Jean-Marc. Bon, effectivement, Pascal, ce soir, j'ai beaucoup plus de FPS, ça change. Je trouve que la colorimétrie, elle est bizarre, là, je m'attendais à autre chose. Mais bon, peut-être que c'est lié à l'éclairage, j'en sais rien. Il y a un truc de bizarre, là, ce soir, l'anti-aliasing, il me fait des choses étonnantes sur l'appareil. On va peut-être pas oublier d'appeler à la verticale du terrain que je vois en face, là-bas. Donc la ville de Castres à droite et le terrain, ah oui, devant, je m'en rappelle juste. Bon, 5000 pieds on est finalement. La route suivante c'est 277. Tiens, puisqu'on y est sur le stream, vous l'avez eu au début le live ou pas? J'ai l'impression que je l'ai lancé, puis qu'après il y a eu un problème, il s'est arrêté carrément. Et j'ai dû le relancer. Vous confirmez ou alors c'est moi dès le début qui était déjà à côté de mes pompes? Pour moi, là, j'ai actuellement 56 minutes de live. Donc je l'ai lancé vers 22h, 21h50. Enfin, bon, 55 même. Pick 8, 902, vacate runway, next exit to your right. Report runway vacated. Vacate to the next taxiway to the right or the beginning of the tour. Non, rien au début. D'accord, donc, ouais, c'est ça. Donc, j'étais déjà à l'arrache. Je pensais avoir lancé, mais non. Ok, 270. Toulouse approche, le Fox Bravo Mike, vertical Castres, prend une route 270 à destination de Toulouse. Fox Bravo Mike, c'est noté, poursuivre la navigation, je vous rappelle. Reçu, Fox Bravo Mike. On est beginning the tour and we vacate via Mike. Vers 22h. Swiss, d'accord, ok, bah donc je pensais l'avoir lancé, mais j'ai loupé une manœuvre. Alors. Désolé les gars, désolé. Runway 32 left, clear to land, Swiss 57 Alpha. C'est dans ces cas-là qu'on se rend compte que finalement on était fatigué. Welcome in Toulouse, Blagnac. Cross runway 32 salut right. Sur le Discord. And vois. Taxi to Terminal 2, stand of your choice via Papa. Cross runway 32 right to terminal 2 via Papa Olympic Airlines 2, thank you. Fox Golf Alpha, bravo Mike. Pour information, les trafics VFR ne sont pas autorisés sur Toulouse-Blagnac momentanément en cause trafic important. Prévoyez détournement sur Toulouse-Lasbord. Ok, c'est bien reçu pour le Fox Bravo Mike, donc destination Toulouse-Lasbord dès à présent. Bien reçu, merci. Fox Bravo Mike, vous rappellerez Alpha Echo 2000 pieds. Je rappelle 2000 pieds Alpha Echo, Fox Bravo Mike. Bon, allez. Ah.
Alors, l'Asbord, c'est quoi l'Asbord? LFCL. Sachant qu'il va pas être coopératif, lui. Ok, donc on a 40 nautiques pour aller à Castres, de Castres à Toulouse, donc c'est un peu de choses près pareil pour l'Asbord. Donc j'ai largement le temps de me préparer, il n'y a pas de quoi s'affoler. Oui, tu m'étonnes, Pascal, une grosse amende, ouais. Au moins un kilo, hein. J'ai vu une partie du message, je le relirai tout à l'heure, sur Discord. Alors, donc, on est 5000 pieds, pour le moment, on y reste. Voilà, on se remet dans les conditions. Vol. Ok. Alors maintenant on va regarder Alpha Echo. Kezako Alpha Echo. Ah oui, Alpha Echo. Ah oui, c'est ça. 552 requesting diversion to Lima. Je veux bien également. Foxtrot Sierra. D'accord. Romeo and we need to change to 15.375. Air France 552, please repeat last communication. We have an emergency and would like to divert to Lima Foxtrot Charlie Romeo and change frequency to 125.375, Air France 552. You can contact 125.375, Air France 552. 25375, thank you, Air France 552. Alpha Echo, voilà. C'est ça, et ensuite on fait. Ok, donc là il faut que je prenne une route au 300 facilement. Swiss 57 Alpha Evacuator Runway Next, taxiway to your right. Okay, runway Evacuator Next, taxiway to the right, Swiss 57 Alpha. Bon, bah non, il était pas mal, hein, 300 c'est bien, on va le garder. Non, il faut le garder. Alors tout ça, ça remplace 18 nautiques, ça fait... Il est 56. Thank you very much. Je vais quelle vitesse. Bye bye. Olympic 892, thank you very much for coming to Toulouse. And again, very sorry for the wait last time. So see you soon. I hope. Bye bye. 0405. Alors, il est stable en vitesse, stable en altitude, c'est bon, bon, on fait plus rien. Il regarde 2350. Fox Golf Bravo, uniforme Romeo, contactez la tour de l'Asbord 122.7, au revoir. 122. Fox Uniforme Romeo, je contacte l'Asbord à 122.70. Merci pour le service, au revoir. Voilà, ça Swiss 57 Alpha, welcome in Toulouse Blagnac, cross runway 32 right. Cross runway 32 right, Swiss 57 Alpha. Swiss 57 Alpha, after crossing taxi to Terminal 2, stand of your choice via Papa and Tango 50. A taxi to Terminal 2 and
choose the state via Papa and Tango 50657 Alpha. Donc je commencerai à descendre quand je verrai le lac. J'espère que je le verrai de loin. Il leur perd 3000 pieds. En raison de 500 pieds minute, ça fait donc 3 fois 2, 6 minutes. Donc 6 minutes. Je fais du 1,8 nautique à la minute, on va dire 2. Ça fait une dizaine de nautiques. Approche de Fox, bravo Mike, 4800 pieds, je commence une descente pour 2000 pieds sur Echo Alpha. C'est parfait, Fox, bravo Mike. Alors. Et correction, c'est sur Alpha Echo. Oui, il me semble bien, Alpha Echo, Fox, bravo Mike. Alors, une assiette de descente, à peu près comme ça. Allez. Puis là, je vais trimer parce que sinon, je vais pas le tenir. Il y a un moustique qui m'énerve dans le cockpit là. 320. Ok. C'est un peu avant 23h. Alors, du côté de l'essence, on est à peu près à la même chose, légèrement plus plein à gauche. Bah, s'il est légèrement plus plein à gauche, je vais rester dessus. De toute façon, ça sera kiff-kiff à l'arrivée. FPS et je me fais déjà tabasser par Toulouse. Ah et d'accord, il a même du mal à charger carrément tout ça là. Oh là 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 là. De toute façon, j'y arrive pas, alors. J'ai les oreilles qui sifflent. Il est où ce lac ?
bah alors dans le travers de l'aile, c'est ça, c'est de l'avor. Ah, raté. Ah, ça y est, visuel. Plus de 1000 pieds. La route Fox suivante. Golf Alpha, bravo Mike, passé avec la tour de Toulouse Lasbord, 122 décimal 7. Au revoir. Salut Pascal. 122 décimal 7 avec Toulouse Lasbord. Au revoir, à tout à l'heure. Merci. Bon, 2800 pieds. Toulouse Lasbord de Fox Golf Alpha, bravo Mike, bonjour. Fox Golf Alpha, bravo Mike, bonsoir monsieur, je vous reçois 5 sur 5. 5-5 également, donc le Fox, bravo Mike, à environ 1 minute 30 de Alpha Echo pour une destination de vos installations pour un complet. Fox, bravo Mike, eh bien, c'est reçu. Effectivement, le Toulouse est fermé pour le trafic ministériel. Sur proposition d'un certain monsieur Pascal, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, piste 33 ouverte sur Lasbord. Vous rappellerez, vente arrière, main droite, piste 33. Reçu pour la piste 33 en service, donc par, je vous rappelle, en vente arrière, main droite sur cette 33 Fox, bravo Mike. Je suis à 30 secondes de la verticale, Alpha Echo, Echo Alpha, 2000 pieds. Uniforme Romeo, vente arrière 23, arrière 20, 33. Fox Uniforme Romeo, c'est reçu, vous êtes numéro 1, vous rappellerez finale piste 33. Uniforme Romeo numéro 1, je rappelle finale 33, uniforme Romeo. Quelle belle idée c'était. Je peux pas tout faire en même temps, Pascal, désolé. Pas de problème. Non, non, là je parlais à Philippe en fait, à la tour, pour la fermeture de Toulouse. Ah là, il est joli ce lac. Oh, je crois que tu vas entendre parler du pays. C'est bien. C'est très très bien. Allez. Et il est 25.06. Moi je vais me mouiller la chemise vraiment, Pascal. Il faut, ça fait du bien. Moi je vais voler en vrai, ma foi. Comme quoi. On a dit 230 plus tôt. Alors, il est 05, il y en a pour à peine 10 nautiques, moins de 5 minutes. Voilà, comme ça c'est mieux. 2450, c'est bien. Oh, 2000 pieds là. Uniforme Romeo, piste 33, autorisé atterrissage, l'évance variable 039. Uniforme Romeo, autorisé atterrissage 33. Donc on fait quelque chose comme ça et ensuite on va s'intégrer ici, là. Ah bah dès qu'on passe là, cette rivière, avec le petit lac à gauche. Si on le voit.
Ok, bon, à partir de maintenant, je ralentis. Ça va arriver comme une fusée, ce serait que contre-productif. Salut Blue Pass. Ok, là je crois qu'il faut que je vire à gauche. Ah bah tiens, il est là. Non, effectivement, mais t'as loupé que... Enfin, t'as pas loupé la première heure parce que j'ai oublié de lancer le truc. Enfin, je pensais l'avoir fait, mais pas. Alors... Maintenant, on se remémore ce qu'on a un peu vu la dernière fois. Uniforme Roméo, qui se prend visuel sur la piste. Ah, yeah. Fox Uniforme Roméo, et bien roulé, parking aéroclub, poste à Constance, à côté des autres. Donc 2000 pieds, ça veut dire que la Uniforme Roméo, je roule parking aéroclub. Merci pour le service. Alors attends, je verrai après, parce que là, tu vois, je suis en phase d'approche. Ok, allez hop, on s'intègre. La réchauffe, la pompe. Donc ce bravo Mike, numéro 1, rappelé final piste 33. Numéro 1, je rappelle final 33, Fox Bravo Mike. Et le contrôle de l'altitude, c'est un mythe, c'est ça? Là, il y a un truc qui m'échappe bien correctement. Là, il va falloir que je trouve vite ce que c'est, sinon ça va être une calamité. Ok, 1800 pieds, on est bien. Je suis dans l'arc blanc. Allez, deux crans de volée direct et on cherche 80. Et surtout, uniforme Roméo, parking aéroclub, trois crans de volée. Fox Uniforme Roméo, vous pouvez quitter la fréquence ou rester même sur la fréquence. Attention. Pour voir Pascal qui arrive. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Fox Bravo Mike, piste 33, autorisé atterrissage, les vents sont variables pour 039. Autorisé atterrissage 33, Fox Bravo Mike. Les vents sont variables et les FPS également. Oh, un appontage 1. Ça se voyait, j'imagine, non? Que des focus. Ouais.
Moi, je l'ai vu d'ici, là. Je me suis vu tomber presque à la verticale. Je sais pas combien je vais vous facturer la taxe d'atterrissage. Bon, bah, avec ce que ça va coûter sur l'avion, ça sera pas grand-chose, hein. Tiens, d'ailleurs, là, il veut plus avancer. J'allais dire piste dégagée, mais non, pas encore. Ah, sans les freins, c'est mieux. 33, piste 33 dégagée, demande au roulage pour le parking aéroclub. Fox Bravo Mike, roulez parking aéroclub, poste à convenance à côté des autres et à tout à l'heure sur le TF3. Je roule au parking aéroclub, poste à convenance, Fox Bravo Mike, à tout de suite. Le temps d'un petit débriefing ma carte. Quoi. Je suis le dernier à atterrir, bien entendu. Et il y en a qui vont te demander des comptes. Comme d'hab. Bah tiens. Pascal, je dois remonter dans Aéroclub France VFR pour écouter tout le monde maintenant. Ah ouais, c'est pas plus mal. Hein. Ok, ben, pour ce premier vol sur le VATSIM, j'ai mouillé la chemise, mais c'était super sympa avec tous ces contrôleurs là. Chapeau les gars. Ouais, t'as vu, on t'avait dit. Hein. Ouais. Et je suis parti en dernier parce que j'arrivais pas sur la cime, j'écoutais rien, j'entendais rien et personne ne m'entendait. Donc j'ai merdé, puis je suis parti après, ça a été bon. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais tu vois, t'es parti en dernier, mais t'es arrivé en avant-dernier. Le dernier, c'est moi. Chez à Saint-Afrique, simplement. Oui, pour ne pas perdre trop de temps. Oui, bah ça suffit, c'est bien, mais tu vois, j'en ai fait qu'un mi aussi. Allez, avance. Et comme je savais que t'étais derrière moi, ça allait. Eh ouais. Allez, à tout de suite sur le TeamSpeak. Ok. Bon, 15 FPS, ça va mieux. Allez, on défonce tout. Ok, on arrête tout ça à l'arrache. Fox Bravo Mike quitte l'écoute à dans une minute pour le TS. C'est reçu, je coupe la fréquence. Bon ben sur le stream, le meilleur est à la fin. Ouais. Tu m'étonnes, une catastrophe. Bon, allez. Je vais pas laisser ces coupures avec ce truc, c'est une calamité aussi. Voilà. Voilà. Et voilà, donc on a dit rapidement, on regarde la calamité sur la carte et on coupe le live. Bon, ce soir je l'ai pas joué trop nav, hein. J'ai quand même suivi la Little Nav Map. Donc Echo Alpha, je sais plus comment ça s'appelle. Le premier terrain, visite sur le petit lac, voulu. Ensuite, on grenouille, Saint-Rome de Tarn, voulu également, ici. Là, j'ai fait un virage un peu trop long, ce qui fait que je me suis retrouvé à la verticale, c'est pas ce que je voulais. Le village de Roquefort qui est ici. Le petit. Ouais, je sais plus comment on appelle ça, un cirque sans doute. Ici, voilà. Un petit coucou. Et l'intégration. Ah bah c'est pas si mal que ça apparemment sur Mio et après voilà ici je me suis complètement éloigné et voilà Castres et une catastrophe à l'arrivée ici. Donc sur ce, merci à vous d'être venu, désolé encore une fois pour le retard à la fin du mois parce que je fais plus de live avant le 27 juin. Bonne nuit à vous et bye bye. À bientôt.